totalement d'accord avec vous, Abel. L'enseignement religieux ne s'est jamais aussi bien porté. On se croirait revenu 100 ans en arrière. Il est urgent de remettre de l'ordre. Et se casser le nez une fois de plus? Depuis Jules Ferry, personne n'a réussi à réformer le système éducatif. Tout ce qu'on nous demande pour l'instant, c'est de prendre la température sur le terrain. Et si possible, sans faire de vagues, monsieur Karnowski. Le programme socialiste a promis à la France de donner une éducation républicaine conforme à ses valeurs. Ça ne doit pas rester qu'une promesse, monsieur Béranger. Les promesses électorales sont une chose. La réalité sociale et politique en est une autre. La réalité, c'est ce qu'on en fait. Moi, je suis là pour faire, pas pour laisser faire. Sans conviction, on va droit dans le mur. Je me demande ce que vous faites dans ce ministère. Et moi, je vous rappelle, jeune homme, que je suis votre supérieur. Alors, énarque ou pas, vous me devez le respect. Bon. Eh bien, vous avez fait très fort, dites-moi. Vous avez prévenu de ne pas faire de vagues, et vous, c'est carrément un raz-de-marée que vous provoquez. Une réforme qui ne provoque pas d'opposition, c'est qu'elle est superficielle. Là, c'est réussi. On n'a pas eu une telle mobilisation de la droite depuis 68. On le sait depuis longtemps. La question scolaire, il faut la prendre avec des pincettes. C'est de la nitroglycérine. Là, on était censé fédérer la gauche. Et on a mobilisé la droite. Donc la pression de la rue décide. Céder aussi sur ça maintenant, c'est grave. C'est le début de tous les renoncements.